J'ai tourné plutôt avec des réalisateurs hommes et du coup ça m'est plaît l'idée de renouveler aussi l'expérience avec des femmes. Cauter a fait un film que j'ai beaucoup aimé, La Belle et la Meute, et qui était présenté à Cannes l'année dernière. Et du coup, quand il m'a présenté les projets, j'ai lu le scénario et j'ai trouvé le scénario très original, très intéressant. Je trouve que la manière de filmer, vraiment, on sent vraiment tous les talents qu'elle a et la manière de diriger les acteurs aussi.